la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Et enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Rita s'est échappée. Pour lutter contre elle, nous avons besoin de jeunes courageux et forts. Ne laisse pas Rita s'emparer de ton esprit, Zack. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Mon plan marche exactement comme prévu. Si Zack a perdu toute confiance en lui, il va disparaître pour de bon. Nous allons pouvoir passer la deuxième phase. Avec joie, Goldar. Allez, finissons-en avec eux. Je sens que cette fois, nous allons nous débarrasser d'eux. Adieu, Power Ranger. Ton intégrité moléculaire varie et tu n'as plus le respect de toi-même. Tu es en train de perdre confiance. Quoi? Plus il doutera de lui et moins on le verra. Il faut qu'il s'accroche. Ça, tiens bon. Bats-toi contre Rita si tu le peux. Seul Casimir est capable de lire dans ses pensées. Il va bientôt se volatiliser. Mais je n'y arriverai pas. Je ne peux pas lutter contre la magie. Si seulement on pouvait contacter Zordon. Ouais, mais nous n'avons plus nos bracelets. Hey, le petit génie qu'on a vu pourrait peut-être nous aider. Il a dit qu'il connaissait le plan de Rita. Comment il s'appelle déjà? Kinsey? Quasimodo? Casimir! Prononcez mon nom et j'apparais. Et en l'espace d'une minute, je vous dirai tout ce que je sais. C'est à propos de notre ami Zack. Rita est en train de le faire disparaître. Vous n'êtes pas les amis de Rita? Alors, Casimir fera pour vous n'importe quoi. Pour empêcher qu'elle vous ensorcelle, pensez positivement, utilisez l'énergie universelle. Vous croyez qu'on peut lui faire confiance? De toute façon, ça peut pas être pire. S'il lutte, il peut peut-être revenir. Il a raison. Essaye, Zack. D'accord. Il faut que je me concentre. Je vais essayer. Allez, Zack, il faut penser positivement. Bien, la combat très difficile. Regardez! Ça a l'air de marcher! Continue, Zack! Tout ton corps va réapparaître! Je ne pensais pas que je pouvais gagner. Alors, je me suis accroché, je n'ai pas abandonné, et j'ai donné tout ce que j'avais en moi. J'ai réussi. Je suis revenu! Merci, Casimir. C'est grâce à toi que je suis là. C'est d'abord grâce à toi parce que tu as gardé confiance, que tu as pu échapper à sa malveillance. Oui, peut-être, mais nous sommes toujours coincés ici. Zack a réussi à réapparaître, mais ses amis n'auront pas la même chance que lui. Et ensuite, vous pourrez régner sur la Terre en maître absolu. Vive Rita. Bon, on calme, on n'y est pas encore. Sans leur bracelet électromagnétique, je les aurais plus facilement. Alpha, il faut absolument rétablir le contact avec les Power Rangers. Je ne comprends rien, le matériel a l'air de fonctionner normalement, mais malgré tout, ils nous entendent pas. Sur l'île des illusions de Rita, la communication ne passe pas. Mais essaye encore. Entendu, Zordon. Je vais rebrancher le système de microflux de l'ordinateur pour redonner de l'énergie au transpondeur. Aïe, 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 aïe. Qu'y a-t-il? J'ai dû m'emmêler les pinceaux. Enfin, je veux dire, les fils. J'ai tout fait disjoncter. Et c'est le circuit parallèle, Alpha. Bonne idée, Zordon. Oh, dépêche-toi, Alpha. Il faut accomplir et établir le contact avec les Power Rangers. Tu as entendu, Zordon? Ordinateur de malheur. Alors, marche. Il faut absolument sauver nos amis. Si on ne retrouve pas notre équipement, on n'arrivera jamais à sortir de là. Peut-être que Casimir sait où il est.
Grâce à ma technique, vous allez être sauvés. Mais ce sera volcanique. Et pour cela, il faudra être très motivé. On est motivé. Mais on ne sait pas par où commencer. On a déjà fouillé plus de la moitié de cette île maléfique. D'après mes calculs, notre équipement a 98% de chances d'être caché de ce côté-là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Et c'est parti, que la fête commence! Nous allons démarrer avec Kimberley en semant la confusion dans son esprit! C'est incroyable! Je n'en reviens pas. Comment est-ce possible? Oh, mon bon ami! Il me semble que cette petite créature sans défense a grand besoin de notre assistance. Oh. Je vous reconnais bien là, Sieur Bulk. Je suis fort aise que vous preniez ça à cœur. Moi-même, je suis touchée. Et je ne peux ignorer plus longtemps une pareille souffrance. Moi de même, mon noble Skull. Et je ne pourrais laisser une telle infamie se produire, dussé-je y passer plusieurs heures. Je vous en prie. Skull et Bulk qui se font des politesses. Mais enfin, de quoi tu parles? Il n'y a personne, Kim. Tu es sûr que ça va? Unissons nos forces pour venir en aide à cette pauvre créature. Un pour tous. Et tous pour lui. Oh oui. Par ici, petit. Oh oui, c'est mieux, comme il est mignon. Allez, 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 on rentre à la maison, mignon. Oh. Oh. Si Rita peut leur faire une chose pareille, elle est capable de faire n'importe quoi. Elle est en train de perdre toutes ses molécules. Casimir, vite. Je vous en supplie, aide Kimberley. Pour savoir où sont les marques, pense à ton arc. N'oublie pas qu'il faut que tu vises. Telle doit être ta devise. Oh mon Dieu! J'avais enterré ces vieux souvenirs. Oh, c'était vraiment trop affreux. Il doit y avoir un autre moyen d'y parvenir. Tu n'as pas le choix. Kimberley, accroche-toi. Je vais faire tout ce que je peux. C'était un monstre affreux. J'étais la seule à pouvoir l'éliminer. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. Ah. Ouais, bravo, tu as battu l'illusion. Oh, merci. Les patrouilleurs! Il y en a partout. Oh non, c'est au tour de Tommy maintenant. Ils sont tous après moi. Ils sont tous après moi! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, Tommy! Arrête! Tommy, qu'est-ce qu'il va pas? Tommy, nous sommes tes amis! Arrête, Tommy! Tommy! Nous ne te voulons aucun mal! C'est encore une illusion de Rita! Il y en a partout! Tommy, c'est nous! Il veut me tuer! Mais non, on ne te veut pas de mal! C'est une illusion d'optique! Calme-toi! Eh, hey, oh, oh, Tommy, on est avec toi, je vais tous vous détruire. Où tu en es avec tes réparations, Alpha? Je suis heureux et fier de pouvoir t'annoncer que j'ai terminé. Je vais pouvoir y aller. Aïe, 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 aïe. Et dans très peu de temps, Majesté, nous n'entendrons plus jamais parler des Power Rangers. Allez-vous-en! Ne vous approchez pas de moi! Tommy, c'est nous! Il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas les battre. Oh non! Regardez! Il va disparaître. Aidez-nous, Casimir! Et je suis là. Ne laisse pas Rita gagner du terrain. Pour être fort, il faut faire beaucoup d'efforts. Très bien. J'ai compris. Il faut que je sois fort. Je déteste les patrouilleurs. Tiens bon, Tommy. Et je t'en supplie, Tommy, ne nous abandonne pas. Ils n'ont pas réussi à m'avoir. Oui, j'ai réussi. Oui. Oui, oui. Bravo. Bravo, Tommy. Ce n'est que partie remise, vous allez voir! Rien ne pourra m'empêcher de régner! Autour de Billy de disparaître, et autour de Trini, je ne veux plus les revoir!
Je vous assure, il y avait des milliers de patrouilleurs autour de moi. Mais à la fin, je n'avais plus peur. J'étais... Oh, comment... Tony, est-ce que ça va? J'ai peur que Rita décide de s'en prendre à moi ensuite. C'est exactement ce qu'elle veut que tu penses. Trini, tu es en train de disparaître, regarde! Non! Non! Billy! Billy, ne monte pas plus haut! Billy! Je t'en supplie, arrête! Billy, si tu tombes, ce sera affreux! Trini, c'est encore une illusion de Rita, vite! Pense positivement! Oui! Souviens-toi de ce que Casimir a dit. Trini a dû conquérir les hauteurs et elle s'est aussi battue contre des malfaiteurs. Alors, mon enfant, fais ton mieux. Et toi et tous tes amis, vous serez victorieux. Allez! Ça sert à rien. Tout mon savoir ne nous aidera pas à nous sortir de là. J'ai échoué. Non, Billy. Tout ça n'est pas ta faute. Ne laisse pas Rita semer le doute en toi. Casimir! Rita a jeté un sort à Billy! Je vois un combat dans le royaume des rêves. Un combat contre une reine que notre Billy achève. Oui. Je me souviens de cette confrontation. J'ai cru que je n'arriverais jamais à l'éliminer. Mais grâce à cette force intérieure, j'y suis parvenu. Oh, wow, c'est prodigieux. Oui, Billy. C'est super phénoménal, tu as réussi. Tout mon système moléculaire s'est reconstitué. C'est fantastique. On va enfin pouvoir se mettre à la recherche de notre équipement et des guerriers. Si tu étais un véritable meneur, Jason, il y a longtemps que tu aurais sauvé tous tes amis. Ouais, il a raison. Jason, le soi-disant meneur des Power Rangers, laisse-moi t'ensorceler et tu ne pourras plus m'échapper. Ils sont très forts. Si je suis éliminé, vous suivrez tous. N'écoute pas ce qu'elle dit, Jason. Elle essaie de semer le doute en toi. Non. J'aurais dû faire quelque chose. Casimir! On a besoin de vous! C'est horrible ce que cette magie peut être terrible. Non, non, mais Tristan, non, Tristan, arrête. Tristan, ne cherche pas. Jason, ne pars pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, ils ont disparu. Ils comptaient tous sur moi et je les ai tous déçus. Il ne peut pas nous voir ni nous entendre. Rita l'empêche de nous voir, il perd confiance. Jason, tu sais qu'en toi, il y a du bon. Alors ne leur fais pas faux bon. Ouais. Je vais y arriver. Je peux le faire. Tu n'as pas encore gagné, Rita! Je me souviens de la fois où j'ai combattu avec le roi Sphinx. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai réussi. Bravo, Jason. Formidable. Mais comment ont-ils fait pour surmonter tout ce que je leur ai fait subir? Regardez, nos bracelets. Et nos médaillons. Nous avons réussi grâce à notre force intérieure. Ouais. Nous avons réussi à rompre le charme de Rita. Heureusement, nous n'avons pas perdu confiance en nous. Ah ouais, ouais. Imbécile! Je ne peux pas compter sur vous, bande d'incapables! On n'a pas de temps à perdre! Transmutation demandée! Dragon, Shao! Mastodon! Stérodactyle! Triceratops! Smilodon! Tyrannosaure! Prenez ça!
sans quitter l'île. À nous jouer maintenant. C'est parti. Méga Dragonzord, toute la puissance. Attaque, Tides. Feu, Méga Dragonzord. Allez les Rangers, il faut mettre toute la gomme. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Il faut faire intervenir Titanus et Ultra Zord. Finissons-en avec eux. Prochain concurrent est Zack. Zack, c'est à toi d'entrer en piste. Montre-leur qui est le meilleur. Tu es sûr de gagner, mon vieux? Je ne sais pas si je pourrais vraiment me débrouiller. Allez, fais pas le modeste. Tu ne vas pas perdre confiance en toi. C'est vrai, après tout ce qu'on a traversé ensemble. Allez, vas-y, Zack. Vas-y. Montre-leur, Zack. Il a un sacré style. C'est très chouette. Qui est le défi? Vous avez vu les copains? C'est Quasimodo. Oh, Quasimodo. Ouais. Et le vainqueur est... Zack! Ouais, je l'avais dit! Ouais! Ouais! Avec la fête commencée!